Non mais mon Dieu. Il faut que tu essayes, je te souviens. Ah bon, moi avant qu'on me mette ça. Hello tout le monde, donc Vlogmas numéro 24. Ça y est, on n'a jamais été aussi proche de la fin. Je suis trop contente encore parce que voilà, là j'en peux plus. C'est juste demain le grand jour et ça me tarde. Parce que j'ai des paquets partout. J'ai qu'une envie, c'est d'en oublier. Parce qu'il y en a partout. Aujourd'hui il fait pas beau du tout, voilà pour le point météo, il pleut, je regarde, le ciel est tout blanc, il pleut, on dirait qu'il neige, mais non. Alors à midi c'est pas de carbo, voilà voilà, Hugo est content. On a décidé de se faire un bon petit repas de ce qui nous plaît avant le truc de ce soir, hein. Ça va être bien bon. Et on regarde un petit film en attendant. Écoutez, je suis trop contente parce que j'ai reçu les cadeaux de mes mamies, donc un pour chacune, que j'avais passé commande il y a quoi, il y a 10 jours, un truc comme ça. Et j'avais payé la livraison express pour Noël, si vous voulez. Et sauf que j'ai reçu un mail cette semaine en me disant que j'aurais un article manquant, qu'il n'arriverait pas et tout. Donc forcément j'avais les boules parce que quand tu payes une livraison express avant Noël, tu t'attends à le recevoir et tout. Bon bref, j'étais pas super emballée. Et puis là, j'ai reçu ça ce matin. Alors en plus séparément, j'ai pas compris. Alors à mon avis, ils ont dû avoir un bug, mais juste à temps quoi. Donc j'ai les cadeaux de mes mamies et je suis trop contente. Bon, petit problème. Non. Il n'y a pas de problème, il y a toujours des solutions, comme dirait mon père. Donc, il est 2h30, je suis toujours en pyjama. Oui, je me laisse vivre aujourd'hui, j'ai décidé de me laisser vivre ce week-end tout court, depuis hier en fait. Je sais pas quoi mettre ce soir. Et demain non plus. Enfin, si j'ai peut-être une idée pour demain. Donc je pense que demain, je vais mettre le, vous savez, le rouge que j'ai acheté à Bershka. Avec un petit liquide lipstick rouge, ce sera parfait. Pas encore, mais pour aujourd'hui... Non, là, c'est pour le coup, c'est trop décontracté ce côté-là. Peut-être celui-ci, il est joli, il est en dentelle, en fait. Il est sympa. Peut-être celui-là, ou peut-être celui-là, avec une brassière. Il est joli. Bon, comme ça, il vous dit rien, mais en fait, il est vachement joli. Les manches aussi sont en dentelle. Et j'ai une brassière que j'ai achetée à Victoria's Secret, que j'aimerais bien mettre avec. Vous savez quoi, je crois que je vais faire un essayage. Je vais faire même des essayages, parce que me connaissant, ça ira jamais du premier coup. Donc, Harry est en haut, hein, comme vous pouvez le voir, entre les stores. La tache noire là, on lui voit jamais les yeux sur les vidéos, c'est dingue. Et Bella est en bas. On est très tendu avec Hugo, on sait jamais quoi faire en fait quand elles sont passées pas. Donc je vous retrouve, je suis désolée, j'ai pas vlogué la journée, mais j'ai rien fait en fait. J'ai regardé la télé avec Hugo toute l'après-midi. On s'est fait, mais je sais même pas quel programme, on a fait tous les programmes qui passaient à la télé, de toutes les chaînes. Du coup, il n'y avait rien à vlogger de très intéressant. Finalement, je me suis changée, j'ai mis ça. Le reste n'allait pas. Et là, c'est 17h27. Voilà, et je me suis dit, ce serait bien que tu te dépêches de profiter de la lumière du jour pour te maquiller. Parce qu'après, quand la nuit tombe, on voit plus rien. Et après, après c'est un peu la cata parce que moi, je me maquille à ma chambre et en face de la lumière du jour, quoi. Donc forcément, quand il n'y a plus de lumière, c'est pas pratique avec la lumière artificielle. Donc voilà, et je sais pas du tout, j'ai rien prévu d'exceptionnel. Franchement, ce serait que de moi, j'irais comme ça, mais bon, quand même. Donc du coup, je me suis dit, tu vas mettre ta caméra là, histoire de rattraper le temps un petit peu. Et voilà, même si franchement, la lumière, mais c'est une horreur, Elle est bleue. Je suis désolée, en fait, c'est clairement pas un tuto. D'ailleurs, j'ai posté ma nouvelle vidéo aujourd'hui, plus tôt que je ne l'avais prévu. Et si vous allez la voir aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du nouvel arrière-plan. La façon de filmer, l'éclairage, la qualité en général en fait. Ça m'aiderait beaucoup d'avoir vos retours, de savoir si vous trouvez que c'est mieux que ce que je fais d'habitude. Moi je pense que oui, mais j'ai l'impression de ne pas être assez objective. Donc j'aimerais avoir vos retours à vous. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et je vous ai pas dit, mais en fait ce soir, avec Hugo, on fait toujours le réveillon de Noël avec mon papa. Vu que pour ceux qui ne savent pas, ils sont divorcés. Donc on fait toujours avec mon père. Chez ma grand-mère. Voilà pour le programme de ce soir. Je pense qu'elle va faire à manger pour 15, comme d'habitude. Mais c'est cool. C'est pour ça que j'aime aussi Noël, c'est parce qu'on passe notre vie à table, quoi. Mais genre, c'est les deux meilleurs jours de l'année. Ah ouais, et cette anti-cerne, c'est le Lockit de Kat Von D. Mais franchement, d'habitude, j'en mets plus. Mais il est tellement couvrant qu'il en faut pas plus, en fait. Je l'ai testé pour la première fois hier, je crois, ou avant-hier. Quand j'ai filmé mon tutoriel du nouvel an. Et j'en avais mis beaucoup plus en fait quand je le fais. Mais c'est tellement couvrant, j'étais bluffée. Donc là j'ai terminé les yeux.
Et heureusement, je me suis dépêchée parce qu'il fait noir, quoi. J'y vois, mais rien du tout, quoi. C'est comme se maquiller dans le noir, c'est pareil. Limite pareil. Ça va aller avec ça? Oui, bien sûr. Le monde fait des essayages. C'est là que je me dis qu'un miroir lumineux serait pas mal. J'en avais un, mais je l'ai pas gardé. Comment voir si tout est ok? La torche. Et voilà, ça y est. C'est fait. Donc regardez quand même dehors. Il fait nuit, quoi. Je mets la grande lumière, il fait nuit totale. Genre à la cuisine, il fait nuit. C'était une journée excessivement rude pour certains. Hein? Tu es gentil. T'es gentil. Aïe, 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 aïe. T'as raison, t'es gentil, il faut pas abuser. Hein. Petit démon. Regardez la table de mamie. Cette année, c'est bleu. J'ai tendance à croire que ça me fait penser à la Reine des Neiges. Parce qu'il y a des paillettes. Il y a des Bonjour, Simone. Je suis content de te voir grâce à ma console du Père Noël portable. J'espère te revoir ce soir. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Pourquoi t'as fait ça? Oh mon dieu! C'est quoi, Hugo? Alors ça, c'est le casque à réalité virtuelle de chez Sony, le PlayStation VR. Voilà, chose que j'attendais depuis un certain temps, voilà. Mon dieu. Voilà, je vais être dans l'immersion totale. Et coupé du monde, dans le jeu, voilà, encore plus, totalement coupé voilà. Du monde. Oula, putain, ça c'est du... Putain, mais c'est quoi ce montage de c'est boîte? C'est du compliqué, là. Quelle horreur! Non mais mon dieu! Il va falloir mettre ça, il va falloir. Ah bon, moi avant qu'on me mette ça, moi ça me fait peur plus qu'autre chose, j'ai peur de devenir folle avec ça. Il est bien? Ah putain, ah ça fait bizarre. Hein? Ah il avait tout le monde l'essaye du coup. Mais tu vois rien là! Mais non, mais là, franchement, le futur. Alors le petit chiffon PlayStation VR, voilà. Je sais pas par quoi il est le plus emballé, par le chiffon ou le casque. Alors, c'est juste pour nettoyer les lentilles. Hello tout le monde, donc là je viens de rentrer à la maison à l'instant. Donc il est minuit 44. Je vais clôturer ce vlog. Oh là, je vais faire comme mon téléphone. Je vais clôturer ce vlog. J'espère que vous avez passé un bon réveillon. Nous c'était très sympa, c'était très chouette et Hugo est très content, il s'est déjà jeté dans sa chambre, il va essayer son casque de folie. Donc je vous montre le lot du jour. Et donc pour le lot du jour c'est du Clinique avec la brosse nettoyante ainsi que un mini kit du Basic 3 temps avec la lotion, l'émulsion hydratante et la crème nettoyante moussante. Voilà, c'est un joli, joli coffret. Donc sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour Noël.